Mikili TV. Yo 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 yo, force Mikili TV na yembela o. Fox Mikili TV. Bisonia so tous abonnés massivement na Force Mikili TV. Fox Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna. Moi, je regrette l'état de droit, mais quatrième pouvoir, viré, je veux dire, chassé même, dans le palais de justice. Et pourtant, il y a un dossier public, mais public est comme fermé. Je ne sais pas ce qui est comme Marambwa Kanyaka, que la justice soit faite. Si vous avez un peu de temps, vous je ne pense pas parce que Moïse Mbi n'a pas d'argent. Il a cofinancé parce que Moïse Mbi a tongé l'église, a tongé le bamitou, a un peuple congolais, faut le dire. Et ça, il y a un peu de temps, 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 il y a ce qui est Moïse Mbi a longi procès, Azama Namboka, Kotikane Namboka. Mais ce qui est à longi te, Tokosan la justice, Batine Malamon à Makala. Puisque Bato Bakena à Makala Kunape, Moïse Mbi a légué Bangote. Tout le monde a dit que Bele Kofiolo Mida Zaikuna. Alala na selemba 4 jours, pourquoi pas yepe. Donc, pour être à ma pasteur Moussous, puisque ma pasteur est belle, Bagomo Zaba, combo yo, Nagout Nazo Kamwa. Un pasteur Moubimazo Benge Machoir en colo. Tata Moukolo va se bénir mâchoire en colo, parce que comme on a une réserve de l'éternel, il y a une réserve de l'éternel, il faut que ça limité. Je ne pense pas, non. Ah ouais, tout ça, c'est qu'on a état de droit. Justice n'a pas de communauté, justice à poto. Il faut que quand on a un pasteur, on a un combo, on a un gomba, on a un pasteur, on a un gomba. Donc, colo, on a un gomba, on a un gomba. Je regrette le comportement de nos pasteurs africains, précisément dans le Congo. Je suis un peu plus de temps. Taximen peut être un taximen chrétien, un taximen païen. En réalité, il y a des foules qui sont là. Au moins, il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Mais pour moi, il y a des gens qui sont là, qui sont là. Il y a des gens qui sont là, qui sont là. Il y a des gens qui sont là, qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Même pour toi, il y a des gens qui sont là. Je ne pense pas. Il y a des gens qui sont là. Si on a des gens qui sont là, qui sont là. Est-ce que vous avez par rapport à ce que les gens ont regretté pour que les gens ne soient pas journalistes internet, ceux qui peuvent être les dossiers à Moïse, je pèse mes mots. Parce que les gens ne sont pas tous les mousses. Moi, je suis allé à l'église, peut-être ceux qui ont habité. Donc, les gens continuent toujours que la justice soit faite, ils continuent toujours comme ça, Moussala. Merci. Je suis Charlie Prince, je représente la télévision Cactus, la télé de l'excellence. Nous sommes venus nous procurer de ces dossiers pour savoir ce qui s'est réellement dit aujourd'hui à l'audience qui a eu lieu le 4 février. Bon, en fait, vous devez comprendre que ici, nous sommes au niveau, nous sommes encore au parquet, nous ne sommes pas au tribunal pour parler de l'audience. Le parquet instruit. Le parquet a fait appel aux parties pour une confrontation. Parce que déjà, vous souviendrez que notre cliente a été déjà attendue et auditionnée devant le parquet et qu'il ne restait que la présence de M. Billet pour que ce dernier viennent pour que ce dernier vienne déposer son comment dirais-je sa déposition bon. Et en fin de compte, le parquet devrait nous confronter, chose qui a été faite aujourd'hui. On nous a confronté et que le parquet a estimé que les éléments que nous avons
présenté devant le parquet. Le parquet a estimé qu'il doit continuer encore à enquêter sur ce dossier. Voilà un peu en gros ce que je peux vous dire sur ce dossier. Donc, le parquet nous a renvoyé pour un autre jour et je ne pouvais pas le divulguer tout de suite là. Là, ça fait partie du secret d'instruction. Mais vous serez informé qu'un de ces quatre matins, nous serons ici. Donc, demain, pour nous, les avocats de ces dossiers, nous sommes encore appelés à être ici pour assister nos frères qui ont été séquestrés au niveau de la police, du commissariat provincial de la Kinshasa. Nous allons les assister demain. Et puis, bon, à la mesure possible, le parquet va estimer de nous confronter tous pour éclairer un peu la religion de non seulement de la justice, mais aussi dans cette affaire. Et vous pensez que ceux qui ont été séquestrés de l'autre côté, cette histoire fait partie de ces dossiers que vous détenez? Évidemment. Donc, demain, nous venons pour ça, parce que, la lecture qu'a fait la police, ils nous ont fait comprendre que les images postées dans la toile, ce sont des images qui provenaient du téléphone de Messembia. Donc nous disons, parce que là en termes des accusations que nous avons portées à la personne de Messembia, il y a aussi l'outrage au bon mers de Katata Lapideur, où nous estimons que les images obscènes donc, de notre cliente a été divulguées. Et pour nous, nous disons que cette publication venait de la personne de Messembi. Donc, raison pour laquelle il est de notre intérêt d'être là demain pour assister les deux jeunes gens qui ont été séquestrés ou arrêtés au niveau de la police transférée au parquet général, pour qu'enfin la lumière soit valablement établie dans ce sujet. Donc, si nous demain nous allons venir, nous ne viendrons pas pour le viol, mais nous allons venir pour connaître quand même la vérité sur la publication des images obscènes que tout le Congo ou tout le monde ont vu dans la place publique. Mais est-ce qu'à ce niveau que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours lieu de réparer la merde comme vous, la partie de Mademoiselle Yann avait demandé? Donc nous n'avons jamais demandé une réparation à l'amiable. C'est pas pour rien que nous sommes venus déposer plainte devant le parquet. Et vous devez comprendre. De l'autre côté. Non, vous devez comprendre une chose. La réparation à l'amiable n'enlève à rien l'action publique. L'action publique est en mouvement, le parquet va instruire. Si le parquet estime que le fait auquel nous portons la personne de M. Mbille, ce sont des faits qui ne pas solides et les éléments est balayables, donc le parquet va donnera son avis. Mais pour nous, nous estimons à ce stade, c'est vraiment très précoce à notre niveau de parler d'un arrangement amiable dès lors que le parquet instruit les dossiers. Et nous voulons que la justice puisse être éclairée pour tout le monde. On ne vous juge pas maître, mais on veut être éclairé, comme vous le voulez aussi, oui, dans votre domaine. Mais pourquoi avoir organisé une conférence de presse dès lors que les dossiers étaient encore entre les mains de la justice? Cette conférence de presse était utile. Était utile pourquoi? Parce qu'il était de notre devoir d'éclairer un peu les gens sur bon nombre de choses ou bon nombre de argumentations pour balayer un peu les différentes faussetés que les gens mettaient à la tête des gens dans ces dossiers. Et il y a d'autres qui disent que M. Mbille, bon, on n'a pas de éléments. Et moi, je me dis, même si on avait des éléments. C'est à la presse que nous allons venir déposer ces éléments. Non, quand même. Là, il faut être. Mais vous vous contredisez en disant cela parce que vous avez organisé une conférence de presse. C'était à propos de quoi? Non, cette conférence de presse. Donc, cette conférence de presse avait comme but d'éclairer, de donner quand même une certaine lumière dans ce dossier. Ce n'était pas pour présenter les images. Ce n'est pas vous qui présenterez les images. La preuve, nous avons déposé nos éléments. Et sur base de ce élément, le parquet a estimé que ce dossier est tellement capital et sensible où l'instruction doit continuer. Maître, mais nous, on sait que lorsqu'il y a dossier, lorsqu'il y a encore, comment on appelle ça, lorsque la justice est encore en train de chercher à être éclairée par rapport au dossier, vous, les avocats, vous ne dites rien, vous vous préservez de tout commentaire, de lorsque le dossier n'est pas encore rendu public. C'est bien dit. Mais nulle part, aucun de notre collectif ou aucun des avocats de notre collectif s'est donné le pouvoir de dire quelque chose dans les dossiers. Non. Puisque là, nous sommes là. On ne dit pas la profondeur où l'instruction a été faite aujourd'hui, mais parce que vous nous avez demandé de parler. Raison pour laquelle nous prenons l'audace et le pouvoir de vous expliquer. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui disent que voilà, bon, il y a d'autres qui pensent que nous sommes au tribunal. Non,
nous devrons quand même les ramener à la... Pourquoi Mbié est rentré? Parce qu'il y a même des gens qui disent que Mbié a gagné le procès. Quel procès? Nous ne sommes pas au procès. Nous sommes d'abord, on enquête d'abord. C'est quoi ce qui se passe ici alors? Non, il y a une plainte qui a été déposée au parquet général. Oui. Le parquet général a estimé que cette plainte avait sa raison d'être et le parquet instruit. Et l'instruction, nous sommes encore à la phase d'instruction. Après l'instruction, si le parquet estime que les éléments, ou bien après avoir réuni tous les éléments dans le dossier, estime que le dossier doit nécessairement. Il ne faut pas oublier, c'est un dossier de viol. Et le viol sur mineur. Le parquet estimant que le dossier soit fixé au tribunal, il fixera le dossier, nous irons au tribunal. Parce que le parquet n'est pas. Vous devez comprendre une chose. Le parquet n'est pas là pour condamner. Le parquet instruit. Mais la condamnation, c'est l'œuvre du tribunal. Je suis sûr que dans ce dossier, nous irons au tribunal. C'est ça même notre objectif. Aller jusqu'au tribunal pour que s'il y aura des condamnations à la personne de M. Mbié, qu'il pige quand même la peine que le tribunal émettra à sa personne. Bon, qu'est-ce que vous vous reprochez à l'accusé? Mais c'est la justice de faire ça. Par rapport à votre plainte, monsieur. Mais la plainte... Non. Beaucoup peut ça mettre de l'île. Je te reproche, je saisis la justice et dans ma plainte, je dis ce que je vous reproche. Oui. Viol, avortement, attentat à la pudeur. Menace de mort, ce n'est pas clair. Maintenant, par que et Ali qui ont vérifié quatre infractions, ce qui est Ali, tous les alités. Ce qui est Ali, liberté. J'ai toujours dit dans ma déclaration, surtout que le parquet général est composé au magistrat et pas le moindre. Aujourd'hui, là, j'estime que nous pouvons aussi faire confiance à l'institution judiciaire Nabisso. Vous pouvez imaginer que pour une invitation, ils ont demandé à Mouta répondre à 8h. Il est venu de lui-même à 6h. Le parquet, pas ça, on va partir. Donc, aux Alanani, au Koyana parquet, et puis au Kovanda Wana. Barobeng, on a combo noya messier. Barobeng, on a combo noya anti, soit qui passe tête, messier. Et puis parquet, ABC, parquet, l'Obiangobien. Les avocats, pas ça, la moussa, la bango. Ça sert à rien d'intimider les avocats. Pour intimider un apprenant, et après. Ce n'est pas fait, il y a un bas sous un appel. Donc, avocat. Non, c'est un ami, c'est un confrère. C'est un confrère auquel nous avons une pensée pièce. On ne peut pas aujourd'hui, dans une prédication, mais c'est le culte d'hier en direct dimanche. Toi, tu es journaliste, enquête. Enquête, ça, là. Tu peux imaginer ça. C'est pas ça qui est dans le Mbao. La morale de votre cliente, au Zénith. Elle est au Zénith, puisqu'elle ne ment pas. Elle est au Zénith. Elle est nette. Elle fait confiance au parquet Bakanga ba magistrat ba Frank Diongo banani ba kende ba député na banani lelo molobeli monel yo journaliste hein, l'honorable Mike Mukebayi, un des grands journalistes et élu de Lingwala ana boloko te bakangere sikani na parko te malo. Qu'est-ce que vous pensez? Lui il est pasteur puisque papa n'a pas pu bonga. Bongo Mike a été lié par la population. Bon, la famille. Mais dernière question par rapport à ceux qui ont été détenus illégalement, selon ce que les gens disent. Est-ce qu'il y a l'influence qui vient de... Papa, le Wana Baolo Belaming.
président de la République, n'a pas la présidente, n'ont pas intérêt de fouiner leur nez dans ma cambozo le canal justice. La démocratie que les gens ont combattu à l'imiter aux côtés de Papa Etienne, ce n'est pas d'interférer à la justice. Il a intérêt, et tous ceux qui nous suivent, qui toi un conseiller, un membre, un cadre de la présidence, retire-toi. Nous avons vu même certains nœuds des gens qui travaillent à la présidence aujourd'hui dans l'institution. C'est honteux. Ça, ce n'est pas sérieux. Ils doivent cesser ça. On vous remercie. La population pour retenir que nous étions devant le parquet et que le parquet a soumis à qui le parti la confrontation. La confrontation a eu lieu, mais ça a été reporté pour un autre jour. Donc un de ces quatre matins, Batoubana surtout bas à la calme, qu'on allait éclairer, puis bah, pour passer aux lumières sur le rendez-vous aux Alicoyawa. Des dépositions de Madame Eliane Kouffiaka. L'avocat ou les avocats ne sont pas auteurs, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé, ils ne sont pas non plus acteurs. Il y a deux acteurs, M. Millet, Madame Bafeno et les différentes personnes qui ont été citées dans cette affaire pour justement éclairer la justice. Évidemment, éclairer l'opinion nationale. Donc à ce stade, la confrontation a commencé. J'inviterai les uns et les autres à la patience. Et je vous rassure que la justice va réellement faire son travail, pas dans le sens de trafic d'influence, mais dans le sens à normaliser les choses, et à responsabiliser chacun. Si nous sommes en tort, la justice pourra, n'est-ce pas, faire son travail. Je vous informe que nous ne sommes pas les magistrats. C'est seul le magistrat qui a le droit de charger ou de décharger. Donc, prenez un petit peu patience et laissez la justice faire son travail. Deuxième rendez-vous, dans 24 heures, nous pourrons, au fur et à mesure, vous fixer. Mais ne soyez pas intimidés par une quelconque, tel acquittement, tout est faux. Tout ce que je peux vous dire, Madame Eliane est en train de donner ces éléments de preuve que nous n'allons jamais donner devant les médias. C'est vrai que nous avons entendu qu'elle est sans preuve, elle manque d'éléments, on ne saisit pas la presse avec toute légèreté. La justice en légèreté. Monsieur Moïse, en lieu et place de vilipender les avocats, nous l'invitons à beaucoup plus rechercher les éléments contre Madame Eliane Bafeno. On dit souvent mieux vaut un mauvais arrangement plutôt qu'un bon conseil. Il y a certains hommes dédiés qui sont saisis de ces dossiers. Est-ce qu'un arrangement à l'amiable est possible? Bon, ma cliente n'est pas favorable pour l'arrangement. Elle a ses raisons. C'est un cas délicat. Nous ne voulons pas, pour une fois, citer les préventions. Et la cliente Hélène Bafeno n'est pas pour l'arrangement. C'est vrai que les pères religieux nous ont proposé, par respect pour les pères religieux, s'il doit y avoir des rencontres allant dans le sens à conseiller ou concilier les uns et les autres, c'est leur travail, puisque quand même le Chemi fait partie, entre guillemets, d'une famille religieuse. À ce stade, on dit que la justice est en saisie, faisant confiance à la justice, évoluant avec la justice. En ligne, la maître, s'il vous plaît, parce que Bélé Bazo l'en a mis à travers ma mission TV, le miroir du monde, Bazo l'a besoin de faire un peu de l'équipe Benza. Totalement, tant au procès, si dit au moni que. Bon, Oyo Lobby, déjà Oyo Lobby de Bana. Si nous devons alimenter les réseaux, ce n'est pas dans le mensonge.
président de la République, ce qui est comme Zali, il est bien qu'on interpelle. Bako Sabino T, Naoyo, Babengi, Prince Arabie Saoudite, Nani Poya Kota Likambo. Likambo, il faut qu'il y ait des souka. Ce qui, madame Elia Nazana Tor, il faut qu'il y ait des souka. Ce qui peut, M. Moïse Mbie, Azana Tor, il faut qu'il y ait des souka. Mais, dans les réseaux sociaux, Bako Sula, qui est l'élonde. Confrontation et bande. Et tout bandine de l'élo. De ce bandine de l'élo. Tout bandine de l'élo. Bon, vous allez informer. Dans le bien, il y a que tout bandine l'élo. Est-ce que bandine l'élo. Est-ce que vous avez quand même vos enseignants? Est-ce qu'un arrangement est possible? Ça dépend de l'enseignement. L'enseignement est bien. Oui, bah est-ce que toi, nous sommes mon corps? Oh, tout ça, nous de commun. Ah, on a Congo, c'est la justice. Et justice congolaise et la justice distributive. Oza na mbongo, oza na mbongo te, oza na droit ya koza la rétabli en cas de problème. Boso ya justice oza ni justice à ma peuple congolais nios. Donc, il y a un finga, madame Eliane, la banda vina et kala. Attends, Ndumba. Il y a droit à justice. Ceux qui ont lésé quelque part. Ok? Donc, Lélo, tu as la maloba moko, y a ma bête, tu as dit que le procès est banni. Lélo, tu as instruction. Première confrontation, il y a M. Moïse Mbie, na Mme Hélène Bafeno, et salami bel et bien, Lélo. Alors, la partie générale, que la cour d'appel de Kinshasa. Merci, journaliste, c'est le bandit qui a vu le début. Non, nous pensons que ceux qui instruction évolue suffisamment tant que le dossier est fixé dans le tribunal. Pour y bindinger ça dans le tribunal, pour côté dans la salle d'audience, pour Rolanda procès et puis au fur et à mesure brouiller ma camionne de crime. Pour ligner ce que le balo bambing était parce que on a l'impression que tant toujours le bail, bah tout ce bois dans mon mabé, beaucoup landa kaka awa. Nous sommes tous les gens qui ont pété la poisson. Je mets quiconque à défi. Abi Miselanga sex step y a mes pénalités. L'éducation au Rwanda n'a pas mon kimono baby na otu nazu ango wapi. Hein? Abi Miselanga y sex step nanga. Deuxièmement, asa client na tongo na ako bungama benginga na ako tambola na monité. Dans les bouillies. Tant que madame elle a vu que le téléphone n'a pas été swappé, vous comprenez mon côté. Numéro à Banek au sale, là, numéro Oyo, Christian a sommé la qui. Donc, l'identité n'a pas été. Ok? Il y a beaucoup de choses, des éléments qui sont, n'est-ce pas, en possession du magistrat. Bozo, est-ce que vous poussez Bissot, Tolo Balikambo et Seigneur Tolo Baté? Aucun des verres bateau, Babi Marabalong. Mais de Gonabiso, Pé, Kniak, Nabiso Eliane, Asanae, Abatami, Nassia Mateka. Justice Ndé, soit écochargé, tout éco déchargé. Merci. Merci beaucoup, Maître Galassi. Merci à tout le film. Vous aurez des informations précises et au moment voulu. Mais Non. Je viens de le dire, c'est que nous sommes à un stade préliminaire. Donc, le parquet, dans sa mission, a des secrets qu'il garde. Donc, l'instruction ne peut pas être publique. Donc, au niveau du parquet, l'instruction est secrète. Si c'est au niveau du tribunal, là, les audiences sont publiques. Donc, on admet à tout le monde d'assister. Mais maintenant, là, souffrez, que je vous le dise, soyez patients. Attendez à ce que le dossier soit fixé au tribunal pour que
tout le monde entre en possession de ce dossier-là. Mais maintenant, là, c'est secret. Mais comme c'est secret, parce que Balobaki déjà que non, ils a public. Mais lorsque comme c'est systématique. C'est ce que veut la loi, cher ami. C'est ce que veut la loi. La loi est claire à ce point-là. La loi veut à ce que l'instruction au niveau du parquet soit secrète. C'est ça. On ne peut pas divulguer des secrets comme ça. Non. C'est ce que dit la loi. Il y a pas, c'est pas un problème de Kanyaka. C'est ce que veut la loi. La loi a des exigences. La loi veut à ce que l'instruction au niveau préliminaire soit secrète. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Et souffrez, ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas qu'on est contre les journalistes, mais c'est ça, c'est ce que veut la loi. Parce que nous voulons tous l'état de droit. Voilà. C'est que respectons alors la loi. La loi est la loi. La loi est la loi. C'est la loi. C'est ce que dit la Constitution. Voilà. L'instruction reste secrète. Attendons. Si on fixe le dossier au niveau du tribunal, là tout le monde peut assister. L'audience est publique. Voilà. La date où le dossier sera au tribunal. Attendons le magistrat, lui seul, elle est le chef. Il instruit. S'il veut fixer, c'est à lui de décider. Voilà. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la presse. Laissons d'influencer. C'est comme si nous sommes en train d'influencer. Laissons d'influencer. Laissons la justice libre. Le main libre. Fox Mikili TV. Yo, Force Mikili TV na yembelao. Fox Mikili TV. Bisonyeso, tous abonnés massivement na Force Mikili TV. Fox Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna.